On va bien rigoler. Ça va être la catastrophe. Ça va pas bien se passer, je crois. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Il est l'heure de se venger. Il faut pas que je le mette moi, parce que sinon après je vais avoir des problèmes. Regardez. Il y en a une. On va bien rigoler. Elle va faire n'importe quoi. Elle va devenir complètement folle. Donc voilà, je savais bien qu'on allait se venger un jour avec ce bracelet-là. Même Massilia, elle m'a dit, oh, on pourra l'utiliser pour Tata Habiboucha. Donc, elle a voulu nous piéger et empoisonner toute la famille. Vous avez vu. Heureusement, j'ai trouvé la solution pour Massilia, Camilia et maman, parce qu'elles étaient comme des zombies, tout ça. Mais là, avec ce bracelet-là, je ne touche pas trop. Vous savez, si vous avez suivi juste avant, ce bracelet-là, il est ensorcelé, il y a quelque chose qui va pas. Si on le met, on devient complètement fou. Donc on va attendre que ce soir, je vais aller le dire à Masmas. Masmas, elle est dehors. Ah, c'est dur pour ouvrir la poignée rien que d'une main comme ça. Je vais aller dire à Masmas, ce soir on va attendre. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Je sais pas du tout, parce qu'on n'utilise pas la piscine, il fait pas assez chaud pour utiliser la piscine. Mais on va préparer notre plan. Quand Tata Habiboucha sera en train de dormir, on va lui mettre le bracelet. Et moi je pense qu'on va rigoler, les amis, parce que elle va faire n'importe quoi, ça va être une grande catastrophe. Donc voilà, bon, Masmas, elle est peut-être par là. Masmas, viens ma chérie. Donc voilà, Masmas, elle était dehors, là, elle est en train de discuter. Et voilà. Alors les amis, vous n'êtes pas prêts à mon avis de voir ce qui va se passer. Je sais pas si quand on va le lui mettre cette nuit, elle va se réveiller. Ah voilà, Masmas, elle arrive. Je sais pas si quand elle va se réveiller, si elle va se réveiller tout de suite cette nuit, ou s'il va falloir attendre demain matin. On va voir. Viens voir ma chérie. C'est le jour J. Attends, on ferme. C'est le jour J. Il y a Palestine. Toujours quand on fait une vidéo, elle vient à côté de nous. Hein? Jeudi aujourd'hui. Quoi? Jeudi? Le jour J. Oui, on est le jour J. C'est pas jeudi. Ah, elle pense jour J, jeudi, n'importe quoi. Non, le jour J, ça veut dire c'est le jour qui est arrivé. De la vengeance. Pour Tata Habiboucha. Ah, parce que... Avec le bracelet bleu. Pour ce qu'elle nous a fait à toi, Camilia et maman. Alors j'expliquais aux abonnés là que c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. C'est pour ça que je viens te chercher. On va attendre que Tata Habiboucha dorme ce soir. Et on va lui mettre le bracelet. C'est toi qui vas t'occuper de cette mission, d'accord? Mais après elle va nous faire... Après elle va faire n'importe quoi. C'est pas grave, au moins on va rigoler. On va pouvoir, je sais pas, on verra. On lui mettra des claques ou j'en sais rien. Non, je rigole. Mais voilà, ça lui apprendra. C'est pour lui montrer que c'est pas elle qui contrôle les choses. D'accord? Ouais. Alors on va préparer ça tranquillement. Là, elle est dans sa chambre, comme toujours, elle chante, elle fait des choses bizarres. Ouais, et elle chante comme une casserole. Ouais, comme une casserole. Et voilà, les amis. Allez, let's go, on va se préparer. Le meilleur est à venir, vous allez voir. Ça va être la catastrophe. Ouais, on va bien rigoler. On va bien rigoler. Surtout vous, je crois. Ouais. Miaou, la plus belle des tatas. La la li, la li, la la. La vie en rose. La 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 la. C'est le moustique du malheur. Qu'est-ce qui met ça sur le monde? Pourquoi veux-tu? Allez, on va faire un bon petit dodo. Ils m'énervent tous. Le moustique de malheur. Les gars de m'acheter des moustiques de malheur. Allez, on va faire dodo. On va voir ce que je vais leur préparer demain. C'est grand Nadine avec ses moustiques de malheur. Allez. Ouh.
la souplesse de Tata exceptionnelle. Qui c'est qui est venu qui a touché là? C'est quoi ces choses là? Qu'est-ce que je cherche. Ah, il est là. Le bracelet. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai vu Tata Habiboucha, elle est partie au lit. C'est vrai? Ouais. Elle vient de partir au lit? Oui. Mais je pense qu'elle n'est pas encore endormie. D'accord, bon, alors on va attendre un petit peu. Et on va lui mettre le bracelet. Et après, on lui met le bracelet une fois qu'elle est bien endormie. De toute façon, elle ronfle, on va l'entendre ronfler derrière la porte. Ouais. Faut juste attendre qu'il y ait du bruit. Comme un tracteur. Ouais. Ou sinon, on enverra Camilla voir d'abord si elle dort vraiment ou pas. Ouais. Vu qu'elle dort avec elle, tout ça. Oh, ok. Ouais. Ok, allez, on attend un petit peu et. Et voilà. Ouais. What? A few moments later. Là, je crois que Tata Habiboucha elle dort. Je vais l'écouter si elle ronfle. Elle rompe, tu vas aller prévenir papa. Vas-y, ma Cilia. Moustique de marin. A few moments later. Moustique de malheur. Grenadine. Starfullah. Faut se dépêcher, là je crois, il faut. Poireau de Belgique. C'est bon? Oui. C'est bon? Bon, la j'espère. Elle vient de se réveiller. Elle vient de se réveiller? Ouais, elle. Je l'ai mis. Elle vient de se réveiller. Elle est folle. Attends. Oh, Camilla, oui. Camilla, viens ici, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Les moustiques de Marol, qu'est-ce qui se passe? Il est où le moustique? Qu'est-ce qui se passe? Je fais un rêve ou ça va pas? Je crois que ça va pas. Viens, t'entends, Tata Habiboucha, on vient de lui mettre le bracelet. Vous savez quoi, les filles? Ce soir, vous allez dormir ici dans la chambre. Et maman, elle dormira dans la chambre de Mas-Mas. Elle est déjà dans la chambre de Mas-Mas en train de se reposer. Donc. Mais n'aie pas peur, elle va rien faire. Juste, elle va devenir folle. T'as pas de quoi avoir peur. Elle va rien prendre, juste elle est folle. Elle va pas prendre. Je sais pas quoi. Ah, si elle nous réveille la nuit et tape la porte, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va bien rire. Parce que demain, je pense que ça va être une vraie catastrophe. Ça va être la fête. Non, ça va, la fête, je sais pas, on verra. Ça va pas bien se passer, je crois. Non. Ah!
de Belgique. Vous êtes où? C'est Tata. C'est Tata. C'est Tata. J'arrive, vous allez voir. Bon, en tout cas les amis, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir, j'espère que ça sera pas trop la catastrophe. Sinon il faudra trouver une solution pour enlever le bracelet à Tata Habiboucha. Nous sur ce, on va se préparer, on va dormir, on va faire un bon dodo tous les trois. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour nous demain, pour voir le résultat de cette catastrophe. Voilà, allez, bye bye. À demain.